Je voudrais tout simplement dire que, à l'orée du nouvel an, je souhaite à Son Excellence Monsieur le Président Henri Konan Bédié, à son épouse, à sa famille et à ses collaborateurs une belle, sainte et heureuse année 2023. Je souhaite également à nos militantes et militants une heureuse année 2023, une année de cohésion interne, afin de rétablir la confiance au sein de notre grand parti, le PDCI-RDA. Au PDCI-RDA, les énergies ne manquent pas. Elles sont diversifiées et plurielles. En tant que vice-présidente du PDCI-RDA, j'exhorte les militantes et militants à retrousser les manches, à s'armer de courage et de détermination pour briguer toutes les échéances électorales à venir. Je n'oublie pas mes parents de Dabakala et ceux de la région du Hambol, à qui je souhaite le meilleur de 2023. Je souhaite également à l'ensemble du pays et au monde entier une année de paix véritable. Pour terminer, je souhaite à notre pays une année de tolérance, de pardon, qui est la pierre angulaire de la réconciliation, afin que nous puissions retrouver notre seconde religion, la paix, que nous répétait à chaque instant le père de la nation ivoirienne, Son Excellence, Monsieur le Président Félix Houphouët-Boigny. Merci.